Le Final Four de la Ligue des Nations démarre le mercredi 14 juin aux Pays-Bas. Qui remportera la troisième Ligue des Nations de l'histoire et succédera ainsi à l'équipe de France? On analyse tout ça aujourd'hui. Générique. Salut tout le monde, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena Foot. Très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et on va parler du Final Four de la Ligue des Nations 2022-2023 qui oppose les Pays-Bas, la Croatie, l'Italie et l'Espagne. C'est la troisième édition du Final Four de cette compétition qui n'est pas forcément très appréciée, même si je trouve qu'avec le temps on lui donnera peut-être un peu plus de crédit. En tout cas, moi qui adore le football des nations, j'avais très envie d'en parler un peu en vidéo. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus et à vous abonner pour ne rien manquer. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, vous imaginez pas à quel point ce soutien est précieux. Ça booste la chaîne sur la plateforme YouTube et ça me donne de la force pour continuer à vous produire du contenu. Donc merci pour votre fidélité. Installez-vous bien confortablement et on est parti. Parlons d'abord du contexte. Contexte de fin de saison, troisième Final Four de l'histoire qui se déroule aux Pays-Bas. Il faut forcément un pays participant au Final Four pour être le pays hôte. C'est les Pays-Bas qui ont été désignés automatiquement puisque les Oranges sont sortis premiers du groupe qui avait été désigné pour accueillir cette phase finale. Le Final Four se jouera dans deux stades, la première demi-finale et la finale se joueront au De Kuip de Feyenoord, et la deuxième demi-finale et la petite finale se joueront au Grosje Veste, le stade du FC Twente. Les quatre équipes qui se sont qualifiées pour le Final Four sont les quatre équipes qui ont terminé aux premières places des groupes de la Ligue A. Les Pays-Bas sont sortis devant la Belgique, la Pologne et le Pays de Galles. L'Espagne a terminé devant le Portugal, la Suisse et la Tchéquie. La Croatie devant le Danemark, la France et l'Autriche. Et enfin, l'Italie est sortie en tête devant la surprenante Hongrie, l'Allemagne et l'Angleterre. Ce sera la deuxième participation de l'histoire au Final Four pour les Pays-Bas après 2019 et pour l'Italie et l'Espagne après 2021. L'Espagne et les Pays-Bas qui ont d'ailleurs connu une finale perdue. En revanche, pour la Hrvatska, ce sera le premier Final Four de son histoire, une histoire vraiment riche pour ce pays des Balkans qui rayonne dans le football de sélection. A noter, quoi qu'il arrive, on aura un vainqueur historique puisqu'aucune de ces quatre nations n'a encore gagné la compétition. Pour rappel, elle n'offre pas de passe-droit pour l'Euro, pas de qualif. C'est simplement un succès pour la gloire. Bien évidemment, c'est pas le trophée le plus important, mais c'est tout de même une coupe continentale. Si vous souhaitez voir ces matchs et que vous regardez en France, vous pourrez tous les voir sur l'équipe 21. Les demi-finales ont lieu le 14 et 15 juin et la petite finale et la finale le dimanche 18 juin. Parlons des deux demi-finales et on commence par la première, celle qui a lieu le 14 juin entre les Pays-Bas et la Croatie, un affrontement très peu régulier puisqu'il n'y en a pas eu énormément dans l'histoire. Celui qu'on retient, c'est surtout le match pour la troisième place en 1998 remporté par la Croatie, mais sinon c'est un match assez inédit. D'un côté, on a les Oranges qui ont fait une bonne Coupe du Monde, éliminés au tir au but en quart de finale par le futur vainqueur de la compétition. Je considère que c'est une bonne Coupe du Monde. C'est bien d'avoir réagi après un Euro sous Debourg raté. A noter que Van Raal est parti après la Coupe du Monde et c'est Ronald Koeman qui a fait son retour sur le banc de la sélection, lui qui avait déjà entraîné les Oranges entre 2018 et 2020. On remarque quand même, côté Pays-Bas, qu'il y a pas mal d'instabilité. C'est le cinquième sélectionneur depuis 2017, si je compte pas les intérimaires. Donc, il y a une stabilité à trouver. Il faut repartir sur un cycle. Ça n'a pas vraiment bien commencé avec ce match contre l'équipe de France en mars, où les Néerlandais, malgré un effectif affaibli, ont été totalement dépassés et en difficulté. La qualif pour l'Euro ne sera pas si simple quand on sait que la Grèce ou l'Irlande sont des équipes accrocheuses. La Ligue des Nations peut donc être l'occasion de tester certaines choses, de prendre confiance, de gagner un titre devant le public néerlandais. C'est une opportunité formidable de lancer le cycle Koeman. Et je tiens à rappeler que, mine de rien, que les Pays-Bas n'ont plus gagné un titre quelconque depuis l'Euro 1998. Une éternité pour cette grande nation du football. Au niveau de l'effectif, il y a malheureusement toujours des petits pépins et absences. De Ligt et Depay sont forfaits pour ce Final Four de Nations League. On notera cette fois le retour de Frankie de Jong au milieu de terrain. Nathan Aké, le vainqueur du triplé avec City, et son compère malheureux Dumfries sont là. Présence de Xavi Simons, auteur d'une superbe saison au PSV. Gakpo, dont on attend beaucoup sur ce Final Four, est bien là. Et puis deux joueurs que j'aime beaucoup de l'Atalanta au milieu de terrain, Koopmeiners et De Roon, sont bien présents. Franchement, à part le poste de gardien qui est peut-être le maillon faible, je trouve que cette équipe Orange est bien armée, avec de la jeunesse, de l'expérience. En face, on a peut-être l'équipe de ce Final Four qui arrive avec le plus de certitude, de sérénité et surtout de stabilité. C'est la Croatie de Zlatko Dalic qui a été blindée par la Fédération croate jusqu'en 2026. Signe du bon travail qui est effectué, et c'est tout simplement la vérité. Deux excellentes Coupes du Monde, deuxième en 2018, troisième en 2022, personne ne les attendait et ce petit pays de 4 millions d'habitants a su être au niveau et impressionné. Toujours sous-estimé, mais toujours très professionnel, appliqué et mine de rien, ils ont fait du beau boulot aussi dans cette Ligue des Nations en terminant devant le Danemark ou la France. Ils ont signé aussi
un succès important en qualif de l'Euro sur le terrain de la Turquie 2-0 et sont en route vers un 6e Euro consécutif. Il y a aussi toute une attention en Croatie qui va être portée autour de Modric parce qu'il avait dit après le mondial qu'il voulait rester au moins jusqu'à la Ligue des Nations avant de penser à la retraite internationale. Est-ce qu'il pourrait arrêter en cas de succès? Imaginez qu'il gagne la Ligue des Nations avec la Croatie et qu'il stoppe. C'est à suivre. Bon, je pense à titre personnel qu'il continuera jusqu'à l'Euro 2024, mais sait-on jamais. Il sera accompagné d'un effectif sympathique comme toujours avec ce magnifique milieu de terrain, Kovacic, Brozovic, Pazalic, Nikola Vlasic ou Lovro Majer. Hâte de voir cette opposition entre ces deux équipes. D'un côté on a la discipline, l'organisation et la stabilité croate, de l'autre les Pays-Bas en mode nouveau départ qui jouent devant leur public. Je pense que ça va être une belle demi-finale et qu'on a deux équipes motivées pour aller chercher ce titre. L'autre demi-finale, elle aura lieu jeudi soir entre l'Espagne et l'Italie. Alors là, Espagne-Italie, je commence à ne plus en pouvoir parce que depuis ce quart de finale de l'Euro 2008, il y a eu 11 Italie-Espagne. Le dernier justement, c'est cette demi-finale de Nations League en 2021. On pense bien sûr à la demi de l'Euro 2020, au 8e de l'Euro 2016, au double Italie-Espagne de l'Euro 2012, sans oublier les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Bref, on est gavé d'Italie-Espagne, qui n'en est pas moins inintéressant au niveau de l'analyse des deux sélections, qui sont un peu comme ça, super irrégulières, pas forcément au top mentalement et dans le jeu. Je commence par l'Espagne, qui a fait un premier match super au Mondial 2022 et ensuite qui s'est éteint totalement, passé en 8e par la petite porte et éliminé par le Maroc. Exit Luis Enrique, arrivé de La Fuente. Et pour le moment, c'est pas exceptionnel puisque l'Espagne a connu une grosse défaite en Écosse dans le contenu pour la qualif à l'Euro. Va falloir être prudent là aussi parce que la Norvège, la Géorgie et l'Écosse vont jouer les coups à fond. Et puis, on va pas se mentir, quand on voit le groupe plus largement, on fait face à une équipe qui intrinsèquement a régressé, même si je considère que la période 2008-2012 de l'Espagne, c'est une génération dorée plus qu'un vide générationnel actuel. Mais ça, c'est un autre débat. Il y a quand même du talent, notamment avec Rodri, bien sûr, qui a fait une saison géniale. À voir s'il jouera d'entrée, mais aussi Gavi, Nico Williams, Daniel Mo qui seront là, Jesús Navas, Alba, Carvajal, les plus expérimentés. Et on mentionnera aussi Robin Lenormand, le néo-espagnol, qui est bien là et qui sera peut-être titulaire aux côtés d'Emeric Laporte. Ce serait assez cocasse. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps à l'Espagne, un peu de temps à De La Fuente. Mais c'est justement un bon indicateur de jouer cette Ligue des Nations. Et ça peut donner une idée du travail à effectuer à un an pile de l'Euro 2024 en Allemagne. Côté italien, pareil, on a besoin de se rassurer et de retrouver de l'allant après cette terrible non-qualification au Mondial et ce début difficile de qualif pour l'Euro avec une défaite contre l'Angleterre. Ils ont réussi tout de même en septembre 2022 à se qualifier pour la Ligue des Nations dans un groupe difficile. Ça a été un bon rebond. Maintenant, on sent que l'équipe de Mancini n'a pas retrouvé ce qui faisait sa fraîcheur, son efficacité et sa justesse dans la période 2020-2021, période où, il faut le dire, beaucoup d'Italiens ont surperformé individuellement. Là encore, une Nations League, c'est des amicaux plus qui doivent te permettre de jouer. Moi, je veux voir du jeu, des occasions, des buts. Il y a peu de calculs à faire, il faut faire bonne impression. Et je pense que ça va être une thématique assez commune à toutes les sélections. De plus, quand on regarde l'effectif italien, on ne peut pas occulter la qualité. Alors, pas de Tonali parce qu'il est convoqué à l'Euro U21. Pas de joueurs de l'Inter, donc pas de Barella, Darmian, Bastoni, Di Marco. C'est assez étonnant vu que Dumfries est de retour avec les Pays-Bas, mais soit. Il reste quand même du Verratti, Fratesi, Zaccagni, Gnonto, Zaniolo, Chiesa, Raspadori. Bon, le numéro 9 pose vraiment houleux en Italie. Immobilier de retour, bon, no comment. Le petit Retegui est là, l'Italo-Argentin qui a signé 3 buts en 2 sélections. J'ai hâte de le voir jouer, j'espère qu'il va confirmer les premières impressions. Bonucci est là également en défense avec Gatti, Di Lorenzo, le Napolitain ou Spinazzola. C'est pas la meilleure liste italienne entre les absents et l'Euro U21, mais il y a de quoi proposer du jeu face à cette équipe espagnole que l'Italie n'a battu que 2 fois sur les 13 derniers affrontements, toutes compétitions confondues. Alors quel serait mon petit pronostic de ce Final Four que je trouve intéressant pour qu'on voit du jeu? C'est la fin de saison, il faut que ça nous offre des matchs voilà, avec un peu d'enjeu, mais surtout du plaisir et du spectacle. Parce que si on n'en voit pas là, on n'en verra pas beaucoup dans le foot de nation qui est en général un football fermé, tactique, avec énormément de pression et d'enjeux. Là, on n'est pas dans cette optique, ça permet à la fois de gagner un titre, mais de donner un peu de spectacle, et surtout, pour 3 équipes, d'essayer de se rassurer un peu. Pour Pays-Bas-Croatie, j'aimerais bien voir la Croatie faire un coup. Je les sens capables de bousculer une équipe orange qui est en rodage, même si portés par leurs supporters, ils sont pour moi les favoris du Final Four. Et pour le demi-finale, je vais partir pour l'Italie sans vraiment être convaincu, mais j'ai de bons souvenirs de Chiesa face à l'Espagne, les amis. Croatie-Italie serait ma finale, Espagne-Pays-Bas le match pour la 3e place. Vraiment un match sans enjeu, mais qui voilà, rapporte un peu d'argent pour l'UEFA. Et vous, votre finale les copains, dites-moi vos pronos, votre affiche de la finale en commentaire et votre vainqueur. Je ne sais pas si vous regarderez ce Final Four, si vous regarderez la finale, mais ça peut être quand même intéressant de regarder un peu de foot de nation. On n'oubliera pas non plus que les qualifs de l'Euro vont continuer pour plusieurs pays, avec la France bien évidemment,
la Suisse, la Belgique, le Danemark, le Portugal, l'Angleterre, la Serbie, la Turquie, etc. On suivra ça avec attention sur Twitter et Instagram avant de faire un point lors de l'automne prochain sur YouTube. Donc pour ne rien manquer, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. J'accueille tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une agréable semaine. Bon match à tous. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Allez, ciao, ciao.